Good job. Ong Nuo Yurap Pakam To Kajam Rakan De Tip Sam Naka Sam Naka De Thang Ni Ong Thibah Phu Sam Naka Mon To Sdap Takai Kam Sa Say Muay Ban Ni Bin Chop Hai Nang Padam Sdap Takai Kam Sa Say De Mi Ra Sanim PTCW 988 ក្រុមភីសំណាកាកញ្ញាជាទីហួងឡើងរៀបការពិធានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអញ្ញាព្រះក៏ហើយជួយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សំណាកានៅថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែសហមេធាវីនាំមកជាតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអវត្តមានដោយមូលហេតុតខ្លួន ដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង្សិតមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការលិខិតលះបង្សិតរបស់លោកនួនជាបានបង្កលដល់ក្រុមជីរួចហើយសាក់សីដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកមួយវ៉ានីលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះសាក់សីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្ទប់ទៀតមានរហស្សនាម សាក់សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកកាលពីម្សិលមិញនេះលោកមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿនសុវណ្ណសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហួងជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង្សិតចូលរួមក្នុងសំណាកាដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សំណាកានេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជា ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលជាចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនធំលះបង់សិតចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការ ពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនុនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងមិនអាចអង្គុយយូរបានមិននឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអញ្ញាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទប់ខិតក្រខាងក្រោមតាសម្ណការនេះហើយដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រធានបែ 6-5 នៃប្រធានផ្ទៃក្នុងអបតកអ
Et à quel endroit exactement de la commune de Sdao? Vous avez indiqué que lorsque vous avez aperçu des gens en file indienne qui s'étaient apparemment fait arrêter, vous étiez vous-même de retour d'un endroit où vous aviez défriché de l'herbe et que vous étiez sur un char à bœufs. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous étiez tout seul sur ce char à bœufs ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous? Vous avez indiqué hier à un moment que dans votre unité, il y avait une majorité de Cham. Est-ce que vous parliez bien de cette unité mobile itinérante? Ou est-ce que c'était d'une autre unité dont vous parliez? Donc, on est d'accord que le jour où vous revenez de votre journée de défrichage sur la charrette à bœufs, vous faites partie de cette unité qui comporte à la fois des Khmer et des Cham, c'est bien ça? Dans mes notes, j'ai noté que vous aviez indiqué qu'il y avait dans cette petite unité à peu près 5 Khmer et 25 Cham. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? En fait, moi, je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche. Je voudrais que vous nous indiquiez les choses au meilleur de vos souvenirs. Il me semble que c'est ce que vous avez indiqué hier. Au meilleur de vos souvenirs, est-ce que vous pouvez vous souvenir du nombre de Cham et de Khmer qu'il y avait au sein de votre unité? Est-ce qu'il est exact de dire dans ces conditions que vous ne saviez pas forcément exactement qui était Cham et qui était Khmer?
chạm tại mà đổ hơi nước mai tỉnh tôi vậy chẳng nè nhưng dương cầm nọt tha chạm thì ai nó tới cô cái tháng cái chập chạm tới vì ở hỏi vừa xanh thì chập từng ở đến từng mai từng chạm tới ở hỏi mà con lắm mà hier, vers 10h31, vous avez indiqué que le moment où vous êtes revenu sur la charrette à bœufs était le soir, vers 18h. Aujourd'hui, vous nous avez indiqué qu'il y avait plusieurs autres charrettes à bœufs. Qui conduisait ces charrettes? Est-ce que vous vous souvenez? Mà bên nó cứ nhầm cái ao xong tay tầm này ai thế là trộn nó hay miền con cái xe chứ bên đây nhưng nó tay tầm rau khné nó tham mặc khung nhóm miền mặc con thông thì họ tha nơi phum đi nơi phum luôn đấy bên đấy nơi không khung tại mướt bên đấy phum khóc khné và chẳng chẳng á là cái chặt ở xong tay mua đất con kia nó tay xe đâu tay bay buồn nhẹ chút làm ai trộn mai nó chỉ mua từ chi pô rót đâu nó không uống bài nữa. Vous aviez indiqué donc qu'il était 18h et hier, vous avez mentionné que vous n'avez reconnu que une ou deux personnes dans la file indienne. Est-ce que je dois comprendre de votre déposition qu'il faisait sombre? Puisque vous n'avez reconnu qu'une ou deux personnes, comment pouvez-vous être sûr que toutes les personnes arrêtées étaient des chams? Bà phụ nữ chỉ mua giống như chạm cái chạp tới ở hết nó so tới bà màn nhạc ta khmai để nữ con chỉ mua cái gì nữa. Mais vous venez de me dire un petit peu plus tôt que vous ne saviez pas forcément qui était Cham et qui était Khmer. Donc comment vous faites cette affirmation? Được xem giới hạn đám tha vậy đa khi hai từ nó cứ bị chèn cứ chạm mà hai bữa sáng chỉ khi hai từ o từ từ món ăn từ khi ông từ ấy ở miền một nơi cái này năng tiết đi. Si je comprends bien votre déposition, vous-même, vous êtes arrivé à un moment où les gens avaient déjà été appelés, puisqu'ils étaient déjà en file indienne. Et si j'ai bien compris votre déposition d'hier, vous les avez trouvés sur le chemin. Dans ces conditions, vous ne savez pas, vous n'étiez pas présent quand les personnes ont été appelées, n'est-ce pas? Donc, est-il exact de dire que vous ne savez pas exactement dans quelles conditions ces arrestations ont été opérées? Les autres personnes qui étaient sur d'autres charrettes à bœufs, vous nous avez indiqué que elles étaient allées dans d'autres villages. Est-ce que je dois comprendre que c'était des gens d'une autre unité? Et est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous saviez d'où elles venaient, ces personnes?
Vous avez indiqué hier également que un certain nombre de cham de votre unité venaient de Angkor Ban et de Saxo. Est-ce que vous-même vous connaissiez? Vous étiez allé déjà à Angkor Ban et à Saxo? Vous me dites plus tard, vous avez connu ces deux villages. Moi, ma question, c'était au moment où vous étiez dans l'unité mobile, est-ce que vous étiez déjà allé dans ces villages? Est-il exact donc de dire que vous ne connaissiez personne de ces villages et que vous ne connaissiez pas les chams avec lesquels vous aviez travaillé au sein de l'unité mobile avant de travailler avec eux? Je voudrais revenir maintenant à la période au cours de laquelle vous avez travaillé à la pagode d'Outrakoun pour Horn. Hier, à 10h17, vous avez dit que vous ne passiez pas tout votre temps à la pagode, mais que vous restiez en général avec les soldats de la commune. Alors, je voudrais que vous précisiez ce point. Répondant à mon confrère hier, Victor Copé, vous aviez indiqué que vous passiez parfois une, deux nuits à la pagode et d'autres nuits ailleurs. Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre où étaient basés ces soldats de la commune où vous dites, pour lesquels vous dites pardon, que vous passiez du temps avec eux lorsque vous n'étiez pas à la pagode? Et est-ce que je comprends bien votre disposition? Cela veut dire que lorsque vous étiez posté avec ces soldats de la commune, vous accompagniez Horn dans le cadre de ces inspections, des stations militaires? Et vous dites que ce sont les soldats de la commune, ce sont avec les soldats de la commune que vous restiez. Qu'en est-il des soldats du district? Savez-vous où ils étaient stationnés, eux? Mình tập khung đi, vận tải còn tha chờ nó không khung.
តបហ្នឹងណាធ្វើនៅក្នុងឃុំឃុំណាមានបញ្ហាអីស្មុគស្មាញអីចឹងអានោះតាមខ្ញុំយល់ដឹងថាកន្លែងនោះគឺត្រូវតែមានតបឈើជឿនៅកន្លែងនោះអីចឹងទៅមកទឹកអីចឹងទៅឬក៏កន្លះខែចឹងទៅគេដកទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទៅDu coup, lorsque vous avez indiqué hier que vous restiez en général avec les soldats de la commune, est-ce que c'était des soldats du district qui étaient dans une commune particulière ou est-ce que c'était d'autres soldats auxquels vous faisiez allusion? Est-ce que c'était à d'autres soldats, pardon, que vous faisiez allusion? ហើយឈ្មោះហននោះគេក្តាប់មកតបស្រុកនោះមកស្រុកតែម្ដងមិនមែនតបឃុំទេបាទ Et puisque vous travaillez avec Han, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi à ce moment-là vous restiez avec les soldats de la commune? ធ្វើការឲ្យហនចឹងមិនបានជាលោកទៅនៅជាមួយនឹងតបឃុំទៅវិញបើគាត់កាន់តបស្រុកសោះនោះសាក់សៃដូចជាមិនឆ្លើយថាតបឃុំពេលណាទេមកមេធាវីទីដឹងដែលក្តាប់មិនបានអង្គហេតុជាក់លាក់ដែលសាក់សៃឆ្លើយតាំងពីម្សិលមិញគឺតបស្រុកគាត់ថាតបហ្នឹងគឺទៅឆ្ដែងតែទៅឈរជើងនៅតាមបណ្ដាឃុំនានាជាពិសេសឃុំណាដែលមានបញ្ហាចលាចលឬស្មុគស្មាញទៅឈរជើងមួយរយៈហើយក៏តែងតែមានការចល័តផ្លាស់ពីឃុំមួយទៅឃុំមួយទាំងម្សិលមិញទាំងថ្ងៃនេះដូចច្បាស់លាស់ហើយมันមានអ្វីដែលជាច្រឡំទេបើថាការបកប្រែភាសាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេប៉ុន្តែភាសាខ្មែរគឺច្បាស់លាស់គឺតបស្រុកដែលឈរជើងតាមបណ្ដាឃុំនានានៅក្នុងស្រុកពីមជីកង J'ai dû avoir un problème dans ma traduction alors et dans mes notes, mais il n'y a pas de souci, je vais clarifier. Est-ce que vous me confirmez que lorsque vous avez indiqué que vous restiez avec des soldats, il s'agissait des soldats du district ? Ben, le top sok de l'un de l'autre thien man, tu m'y man man yang da, ben...Et est-ce que vous me confirmez que Han lui-même était un militaire? Hai Han ni kot chi yothi men de. Ba chi prathien yothi du khom ngai khang dam ni kot chi kan sanasok phong otakua nung phong hai nung yothi phong. Injang ka da chalat nung keu kot pakol ai anuprathien neu kai ke hau tha salap manuh ba kai ke yo teu salap manuh nung keu mien anuprathien bos kot nung.ហើយគាត់នឹងមិនជួនកាលនៅកន្លែងទៅមកទឹកមកទៅជួនកាលទៅដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាទៅជាប់ជាមួយទឹកធុតពិនិត្យទៅហ៊ាននៅតំបន់ណានៅស្រុកថ្មាយអីចឹងណាបាទ Ma question précise était de savoir si Han était un militaire ខ្ញុំសួរលោកមិនមែនគឺខ្ញុំថាតើ est-ce que vous connaissez son grade?យោធាដែរទេហើយបើជាយោធានឹងគាត់មានឋានន្តរស័ក្តិអីដែរស័ក្តិស័យឆ្លើយរួចហើយហើយឋានន្តរស័ក្តិឆ្លើយតរន្តរស័ក្តិបានហើយគាត់ប្រាប់ហើយគាត់ជាប្រធានយោធាស្រុកហើយទទួលបន្ទុកទាំងសន្តិសុខវត្តអូតកួនផងដែរស័ក្តិឆ្លើយតែឋានៈបានហើយឋានៈរបស់គាត់ឋានៈអីឋានៈនៃឈ្មោះហនដែលជាប្រធានយោធាស្រុកកងមាសនឹងឋានៈអីនិយាយគ្លីបានហើយលោកដឹងទេបើដឹងឆ្លើយថាដឹងមិនដឹងក៏ជាចម្លើយដែរណាគាត់ជាប្រធានយោធាស្រុកEst-ce que je dois conclure de votre réponse que vous ne connaissez pas son grade? Je crois que je n'ai pas dit 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 que je n'ai pas dit.
Ba, khom mot dang tha saman dae. Ong chuey tha bing rong antrachiet. Merci, Monsieur le Président. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il y avait de grade en tant que tel sous les Khmer Rouges. C'est la fonction qu'ils font en quelque sorte le grade, mais il n'y avait pas de rang de généraux, de maréchaux. Il me semble avoir entendu des témoins parler de différentes unités, de chefs d'unité, de bataillons, etc. Donc, il me semble que ça s'apparente à des grades, mais en l'occurrence, compte tenu de la réponse du témoin, je ne vais pas m'étendre sur la question, nous aurons certainement d'autres lieux pour en discuter. Monsieur le témoin, j'en reviens à la suite de mon interrogatoire. Toujours pendant la période pendant laquelle vous travaillez avec Horn, j'en viens maintenant au moment où vous étiez. Lorsque vous étiez à la pagode, vous avez indiqué qu'il y avait un lieu au sein de la pagode où vous dormiez. Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre à quel endroit cela se trouvait ? Vous avez évoqué un certain nombre de bâtiments. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Nếu ta cót thì cái này cót sẽ mẹ tay một đống ăn miên thư ấy thầm mây tiệt tế được sao vì sầm mây đau chẳng mà tới cái nơi lực cót luộc chẳng mà đó. Est-ce que vous pouvez situer ce bâtiment par rapport à l'entrée de la pagode? Lúc ấy, bà bán đấy, bởi những thiệp tới những khâu ông thuyền bọt nữa, cái này lúc sầm ra nó ngại cái này nè. Nơi khăn ông bà đồng. J'ai bien compris, moi, ma question, c'est par rapport à l'entrée du bâtiment. Par rapport à l'entrée de la pagode, est-ce que c'était à côté de l'entrée ? Est-ce que c'était à une certaine distance de l'entrée ? Est-ce que vous pouvez situer en termes de distance où se trouvait ce logement des moines où vous habitiez parfois ? Donc si je comprends bien, lorsqu'on rentrait dans la pagode, il y avait d'abord le hall principal et ensuite il fallait continuer pour arriver au logement des moines, c'est bien ça? Hier, à 13h47, vous avez indiqué que des interrogatoires de prisonniers se faisaient au sein d'une école. Est-ce que vous pouvez indiquer où se trouvait exactement cette école par rapport à la pagode ? Est-ce que c'était à l'intérieur de la pagode ou à l'extérieur de la pagode ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre réponse. Ma question était de savoir si l'école était à l'intérieur de l'enceinte de la pagode ou à l'extérieur.
quand vous dites qu'elle jouxtait la pagode, est-ce que je dois comprendre donc que l'école se trouvait à l'extérieur de la pagode? Vous me dites que c'était à côté de la clôture, mais à l'extérieur. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Vous avez indiqué que compte tenu de votre âge et de vos fonctions, vous n'aviez rien à voir avec les interrogatoires. Est-ce que vous savez qui menait ces interrogatoires? Vous venez de répondre peut-être, là encore, j'attire votre attention sur l'importance de ne parler que des choses que vous connaissez, que des choses dont vous avez été témoin. Si vous ne savez pas, je préfère que vous me répondiez que vous ne savez pas. Donc je répète ma question, est-ce que c'est une supposition de votre part ou est-ce que vous savez réellement qui menait les interrogatoires? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur le témoin, votre réponse? Nous ne l'avons pas entendu en interprétation. Tout à l'heure, vous avez dit peut-être. Est-ce que là, maintenant, vous êtes sûr de votre réponse? Vous nous avez indiqué que vous ne participiez pas, ça c'est hier, que vous ne participiez pas aux réunions entre chefs et que vous n'aviez donc pas d'informations sur leur travail exact. Est-ce que il est exact de dire dans ces conditions que vous-même, vous ne savez pas quelles étaient les raisons des interrogatoires, ni comment ils se déroulaient? Je voudrais faire une objection parce que hier, effectivement, le témoin a dit que lorsqu'il accompagnait Horn à l'extérieur, dans les communes, etc., il ne prenait pas part aux réunions, il ne connaissait pas le contenu des réunions. Ici, c'est un autre contexte, il s'agit de la pagode de Wat Othrakun. Tout le monde sait bien ce qu'il a dit devant les juges d'instruction. Je ne pense pas que ce soit exactement la même situation, ce qu'il faisait hier par référence aux réunions qui avaient lieu à l'extérieur de la pagode. Ici, il s'agit du fonctionnement interne de la pagode, ce n'est pas exactement la même situation, ce qui fait que la question peut poser des difficultés et créer la confusion dans l'esprit du témoin. Je pense qu'il faudrait reformuler cette question. Il n'y a pas de problème, je vais reformuler. Monsieur le témoin, est-il exact de dire que dans le cadre de vos fonctions, vous n'aviez aucune part aux interrogatoires? Est-il exact également de dire que les deux personnes que vous avez citées qui s'occupaient des interrogatoires ne parlaient pas avec vous du contenu de ces interrogatoires? Est-il exact également de dire que vous ne savez pas sur quels critères telle ou telle personne était interrogée? L'avocat de la défense pose toutes des questions négatives
extrêmement restrictive. Les mêmes questions pourraient être posées de manière ouverte et lui demander s'il sait quelque chose, au lieu de chaque fois faire confirmer qu'il ne sait pas. Je pense que c'est une question tout de même de laisser les choses un peu plus ouvertes que de les diriger, de fermer toutes les questions. Je dois dire que je trouve assez ironique que ce soit monsieur le co-procureur, dont nous savons comment il pose les questions, comment il a posé les questions de façon très peu ouverte. Donc là, je pense que les questions que je viens de poser sont parfaitement claires, parfaitement précises. Le témoin, s'il a d'autres éléments à me dire, peut le faire. Ce sont des questions qui sont suffisamment ouvertes pour que si le témoin veut me répondre par la négative, il peut le faire. Donc, je demande à être autorisé à poursuivre ma ligne de questionnement. Je suis assez étonné de la décision compte tenu du fait que c'est une formulation récurrente de mes interrogatoires et qu'il n'y avait pas eu de problème jusqu'à présent. Je prends note. Je m'en remercie de l'heure que ce peut être un nouveau nom. Je m'en remercie. Monsieur le témoin, est-ce que dans le cadre de vos attributions, vous pouviez savoir pour quelle raison telle ou telle personne était interrogée ou pour quelle raison telle ou telle personne n'était pas interrogée? Je passe maintenant à un autre point, toujours en rapport avec la pagode d'Otrakun. Vous avez indiqué hier qu'il y avait un groupe au sein de la pagode qui s'appelait le groupe des longues épées. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle était la différence entre ce groupe des longues épées et les soldats du district? Et quand vous évoquez les miliciens, est-ce que vous parlez du groupe des longues épées? Et dans le cadre de leur garde à Otrakun, que faisaient-ils ces miliciens du groupe des longues épées? Est-ce que vous savez s'il y avait des groupes de longues épées ailleurs dans toutes les communes de Kongmi?
Et est-ce que ce groupe des longues épées était également sous la supervision de Horn? Est-ce que vous connaissez un dénommé Samrit Moy? Maître Guisset, je ne mets pas en doute votre capacité à prononcer le Khmer de façon parfaite, Même procédé donc pour la personne suivante. Est-ce que vous connaissez un certain Tai Kim Hoon? Il paraît que ma prononciation était correcte, donc a priori. Je répète ma question, donc, monsieur le témoin, est-ce que vous connaissiez à l'époque du Constitutionnel démocratique, un certain Tai Kim Hoon? Précisément, vous avez indiqué que vous êtes revenu non loin de la pagode d'Otrakun dans le cadre de votre travail d'enseignant. Est-ce que vous connaissez un comité de la pagode qui siège actuellement, qui existe actuellement au sein de la pagode d'Otrakun? Et Tai Kim Hoon, que vous dites avoir connu récemment, en tout cas depuis votre retour en tant qu'enseignant dans la localité, comment est-ce que vous l'avez rencontré? Đây khi mà bằng riêng nó cứ chặt khi mà bằng riêng nó tại sập rám hơi bàn phải chi và má đấy cọt cái đại ơi cọt hơi chi cái đại cam ca sàn cái mang score thầm nâng đây mà đồ
bàn tay bị mụn mày bờ bờ nó cứ như mặt sọc đi Et sans l'avoir connu sous le régime, savez-vous s'il a occupé des fonctions Et même question pour Sam Rietmoy, est-ce que lui, vous l'avez également connu après le régime du Cambodge démocratique? Je suis allé à Sam Rietmoy, je suis allé à Sam Rietmoy, je suis allé à Sam Juste pour les besoins du transcript et pour être sûr que tout le monde puisse être, savoir de quoi on parle, j'indique que ce qu'on parle souvent pour le mettre en place, c'est que Sam Rietmoy a un pseudonyme qui est 2TCW 183 et que Tam Taikin Poon a un pseudonyme qui est 2TCW 833. C'est bien exact, je parle de personnes qui ont déjà déposé dans cette chambre. Donc ma question reste la même, monsieur le témoin, est-ce que, j'ai bien compris que vous n'avez pas connu Sam Rietmoy à l'époque, des faits du Cambodge démocratique, ma question est de savoir si vous l'avez connu après, lorsque vous êtes revenu dans la localité. បច្ចុប្បន្នដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកស្គាល់មនុស្សម្នាក់បរោះម្នាក់ឈ្មោះសំរិទ្ធមួយដែរឬទេនៅតំបន់ដែលលោកកំពុងតែប្រតិបត្តិការធ្វើការងារជាគ្រូបង្រៀននោះមានរួមគឺក្រោយពេលដែលដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមទៅហើយលោកទៅធ្វើការងារទីនោះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតើលោកស្គាល់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសំរិទ្ធមួយដែរឬទេ Et comment le connaissez-vous? Savez-vous s'il occupe une fonction particulière dans la localité? J'en ai terminé mes questions, Monsieur le Président, je vous remercie. លោកប្រធានខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសួរសំណួរចំពោះសាកសីនេះហើយលោកប្រធានសូមអរគុណ បាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោកមួយវណ្ណីសកម្មភាពសម្រាប់ទឹកខីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាកសីនៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសកខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទៅទៀតក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់រំលឹកឋានឬក៏គោលដៅណា ដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកជួបតែសម្ដែងល្អមានទឹកដីសុខដីចម្រើននិងមានទុកភាពល្អហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនរមរួចជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកសម្រិតមួយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់ឬគោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសកម្មភាពនៅក្រោយពេលសម្រាកនេះគឺអង្គជំនាញធ្វើសកម្មភាពស្ដើមស្ដាប់ទៅខីកម្មសាក់សីដែលមានហានិភ័យពី
ដប់នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសហមនាការសម្រាប់ចុះ